Salut à tous, c'est Rusty, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 4 de Pokémon Donjon Mystère équipe de Secours Rouge. Donc on reprend la suite, donc là il y a eu juste le « Oui, tu nous entends ?» Je voulais voir si ça marcherait, ça marche bien. Voilà, donc bonjour, tu es Rusty, n'est-ce pas? Qui me parle? Tu ne peux pas nous voir bien sûr, excuse-nous. Je déteste les formes évoluées qui se multiplient. C'est débile, c'est pas Triopiqueur, c'est Trois-Topiqueur. Juste. Nous sommes ravis de te rencontrer, nous sommes Triopiqueur. Non, nous sommes Trois-Topiqueur. La nuit dernière, pendant le tremblement de terre, notre enfant Topiqueur a été attaqué. Il a été emmené en haut d'une montagne. On ne pourra jamais aller si haut. C'est pour ça que nous avons besoin de ton aide, Rusty. Le Pokémon qui a enlevé Topiqueur s'appelle Hermure. C'est une odieuse brute, fais attention. S'il te plaît, aide-nous, nous avons besoin de ton aide. Au revoir. Oui, exactement, j'aurais réagi comme ça, moi aussi. Mais en tout cas, il est blasé de la vie, notre Pokémon. Hein. C'est allé tellement vite que je n'aurais même pas pu refuser. Eh bien, je n'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Et ça va être le premier gros combat que nous allons faire. Contre Hermure. Il est très fort, je crois. On va voir ça un peu limité. Bonjour Rusty. Hein? Quelqu'un est venu te demander de partir en sauvetage? Oui. Trois Topiqueurs. Notre fils, Topiqueur, a été enlevé. Il a été emmené vers le mont ainsi. S'il vous plaît, nous avons besoin de votre aide. Au revoir. Oui, exactement. D'accord, allons-y. Oui, je sais, j'avais oublié de faire une mission, je sais pas quand, parce que ça s'est passé. Nous y voilà, le mont acier. Alors, Twicker a été emmené vers son pic. Exact. Le pic est à l'étage 9. Merci à votre aide, au revoir. Voilà, exactement. Allons-y. Moi aussi, étage 1. Bonjour. Eh, mais il est fort, lui. Mais t'es fort, toi, enfin. Eh, il est fort, lui. Par contre, toi, je vais bien te défoncer. Occupe-toi de lui, il y a des choses, s'il te plaît. Ah oui, je vais voir un peu. Capacité, qu'est-ce que t'as comme technique? C'est même pas flamèche. Mais pourquoi tu fais gros yeux? Stupide. Capacité, rugissement. Allez, défonce-le. Voilà, c'est ce que j'attendais. Oh là, t'es lent. Hein. Bonjour, Zigzaton. C'est les atouts de l'utilité. Allez. Oh, j'ai plus de place, j'aurais dû aller. Oh, je vais même pas aller à la banque ni au truc en grec si je meurs. Oh là là, non, ça me faute. Capacité, attaque éclair. Crève. Hop. Mais j'ai pas grand chose à dire, c'est mieux. J'ai pas rien. Oui. Ah, Maxime. Je peux pas la voir. Ah, oh, autre. Autre. Ah. Oui, non, objet. Ah, non. Objet. On va... Enfin, on va manger une pomme. Voilà. On a un max élixir. Ah. Je me sens plus dans ce que je peux sens mieux, là. Oui, escalier. On va essayer aussi de se pexer un petit peu, de se monter un peu de niveau. Parce que je pense qu'Armure, il va être un peu chaud si on reste à ce niveau. Ok, ça va être chaud. Tu m'aides un Pokémon. Vas-y, nique le Pokémon. Mais non, mais j'ai dit nique le... Mais non, mais... Ah, je fais exprès. Ah, ah. Ah. Alors, regardez le cheatage de la Véron. Toute la vie. Normal. Oui, niveau 11.
Vous avez une capacité, je trouve ça, c'est pas mal. Vive attaque, oui. Pour enlever Mimikyu. Oui, j'ai dit. Oh, j'ai une super technique pour battre Mur. Je vous fais une petite démonstration. C'est parti. J'espère que ça m'affecte en tout cas. Il part, ça marche pas. Ok, c'est mort. Ah, ça. Il me fait peur lui, hein. Non, mais... Oh, oh, ça marche. C'est quasi clair qu'elle va pas marcher alors. Juste que je claire. J'avais eu trop peur. D'où tu me fais ça, toi? Ça sert à rien d'augmenter ta défense, je fais de l'attaque spéciale. Oh, et voilà, l'escalier était là-bas. Vous êtes sûrement en train de dire depuis tout à l'heure, en train de gueuler devant votre écran. Pourquoi tu vas pas? Et bien tout simplement parce que j'avais pas vu. Merci, Kevin. Moi aussi, étage 4. Je suis sûr que j'ai une mauvaise direction. Ah, les graves à roche. Oh non, non. Je crois que... Je sais pas combien ça nous fait de grave à roche. Je crois que ça nous fait... 21 grave à roche. Non, non, non. Non, si, je suis... Ouais, ouais. Oh, mais oui, Armure pourrait être paralysée en nous attaquant. C'est pas con, ça. Il faut absolument que t'apprennes flamèche, toi, Kevin. Hein. Comme ça, on pourra défoncer Armure comme on veut, quoi. Moi aussi, étage 5. Allez, prends ça. Ce que j'aime bien, c'est quand les attaques n'ont pas d'effet, elles enlèvent quand même des vies. Ça, ça change vachement comparé aux autres Pokémon. Aux autres jeux, je parle. Télépé, avancez. Moi aussi, je sais qu'il y a des Béourou. Et toi tu vas mourir. Et toi t'es mort. Et qui va monter niveau 11. Et même pas appris Flamèche. Oh là là, quand est-ce que tu apprends Flamèche toi? Je suis sûr que c'est pas en haut l'escalier. En même temps je suis pas trop confiant. Il était en haut. Ouais, bon, bah moi t'es étage 7, moi aussi étage 8. Allez les gens, c'est au prochain étage qui se trouve. Allez, on est chaud pour le prochain âge. Allez, approche. On s'en fait chacun, d'accord? Je suis sûr que ça va être plus fort via attaque puisque l'autre c'est ça a aucun effet. Exactement. À ton tour. Prends ça. Nickel. Super. Allez, on est chaud là, on est chaud pour y en avoir. Ah, chaud. Ah, la team nationale, elle est chaud là. Oh, elle est chaud. Ah. On va pas se priver ça. Dernier petit combat. Et... Oh, ouais, regardez, vous regardez plus rien faire là. Rien faire. Aïe, capote. Normalement, de ce que je me rappelle, on est soigné à bloc avant de faire le boss. Donc, ce qui veut dire que j'ai besoin de me soigner. Regarde ici, le piqueur est là-bas. Il est mignon. Il dit, tu vas bien? Nous venons pour te sauver. J'ai peur. Hermule. Et vous, que faites-vous ici? Oh putain, les vénères! Nous venons ici pour porter secours à ton piqueur! Arrête, Armure! Laisse partir ton piqueur! Comment oses-tu? C'est de leur faute! Le farfelu de la nuit a causé cet tremblement de terre, je suis terrifié! Et c'est lui et sa famille qui provoquent ces secousses à force de creuser sous terre! C'est absolument faux! Je veux dire, il y a eu beaucoup de tremblements de terre, oui! Mais ton piqueur et sa famille sont pour rien! Fais quoi? Je vais me battre, c'est le faux. Il reviendra bien trop agité. Si on l'écoute pas, on va devoir la foutre capote, on va la démonter.
Tu vas en chier, sale pute. Ça me soigne pas, c'est dans, pas dans ce jeu que ça me soigne. Donc on l'a trouvé ce petit Maxi Elixir. Et toi, on va tester ma technique. Prends ça. Non. Non, qu'est-ce que je fais? Crève! Prends ça. One shot. Oh, one shot. Je l'ai niqué sa gueule. Mon mari. Espèce de grosse merde. One shot la meuf, je l'ai one shot. Je lui ai niqué sa gueule. Et oh, nous avons fait fuir l'armure. C'est bien, c'est bon, maintenant tu peux descendre ici. Je peux pas bouger, j'ai trop peur. Pas de problème, nous allons venir jusque top, on ne bouge. Oh putain sa mère. Ouf, regarde ce précipice, je peux pas voir le fond. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Nous ne pouvons pas traverser ça. Oh. Oh bonjour, vous êtes les Manity que nous avons sauvés. On nous a prévenus. On va secourir ton piqueur par voie aérienne. Accroche-toi bien. N'aie pas peur. On ne fera pas d'erreur d'électrocuter. Oui, mais ça ne l'infecte pas de toute manière. C'est con. Et là, regardez, c'est vachement chelou. Oh, comme j'ai eu peur. En plus, j'avais le vertige. J'ai l'impression que mes pieds pédalent encore dans le vide. A-t-il des pieds? A-t-il des pieds? Tu as des pieds, petit piqueur? Non! Alors ferme ta gueule! Quel pied? Eh bien, tu es sans sauf désormais tout ce qui compte. Oui, merci beaucoup. Oh, tu as été secouru, bien, bien. Hein, c'était quoi? J'en connais les voix. Ils sont vraiment cons, ils ont toujours pas. C'est toujours pas. Bonjour, c'est notre Topiqueur. Bon, trois Topiqueurs. Bon papa. Topiqueur, tu nous as inquiété. Tu n'es pas blessé? Non, j'avais très peur, mais je vais bien. Ça, c'est grâce à l'équipe de Rusty. Ok, Kevin, il prend le caméra. Merci pour tout, vous avez été formidable. Vous devriez plutôt remercier nos amis magnifiques. Le sauvetage aurait été impossible à faire sans vous. Bon, nous avons oublié de bonne manière. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous n'avons fait que notre devoir. De plus, je ressens une affinité. Nos formes évoluées sont toutes les deux trios soudés. Oui. Mais ce ne sera pas Magnéton. C'est trois Magnéti. Oh, n'importe quoi. Je déteste cette forme d'évolution. Après tout, les Pokémon doivent s'entraîner. En tout cas, nous vous devons une fière chandelle. Bon, reçu. Nous devons prendre congé. Kevan? Merci. Au revoir. Aussi, il gagne 500 Poké. Prépare pêche. Jean-Zang. Ouais, bah oui, vous pouvez disposer. Voulez-vous joindre notre équipe? Nous joindre à votre équipe? Oui. Soros, ce char est. Je crois qu'il aurait davantage besoin d'aide de la vie. Oui, on doit recruter. Oui, voulez-vous devenir membre de notre équipe de secours? Équipe de secours? Ça m'a l'air pas. Mais si vous avez besoin de nous en urgence, nous devons nous installer dans le coin. Y a-t-il une zone apte à nous par ici? Eh bien. Oh, il n'y en a pas. Dommage. Pardon, mais nous ne pouvons pas rester. Au revoir. Ah, le gros vent, les bandes de salauds! C'est dommage, il faudrait qu'on trouve les endroits où pourraient vivre les Pokémon qui veulent rejoindre notre équipe. Je sais. Allons sur la place Pokémon demain. Il y a un endroit intéressant appelé le Club Grounou. Il n'était pas ouvert l'autre jour, il devrait être demain cependant. C'est le magasin voisin de la Banque Félicité, celui que je vous en ai parlé. Grounou s'y trouve tous les jours normalement. Je crois peut-être quelques informations utiles. D'accord, on fera ça demain. On ira sur la place Pokémon. Et oui, on sauvegarde et on se retrouve au prochain épisode. Après la sauvegarde, s'il n'y a pas de rêve, normalement, on se retrouve au prochain. Et là, si les gens, il y a encore un rêve. Il y en a tous les soirs. Ce mec, il rêve tous les soirs, il s'en rappelle tous les soirs. Ce mec est magnifique. Encore. C'est encore ce rêve.
ça peut être... J'entends un peu mieux cette fois. Un humain? Ma fonction? Attends, s'il vous plaît, dis-moi plus! Ah, plus rien. Ah. Le lendemain matin... Et voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo du 4e épisode sur Pokémon Donjon Mystère qui est le rouge. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez hâte de voir le prochain épisode. En tout cas moi ça me fait énormément plaisir de faire ce let's play, j'adore énormément. Donc voilà, j'espère que c'est réciproque et on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Allez, ciao !